Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur Need for Speed Heat. Et donc là, je vais vous faire montrer les 4 voitures que j'ai gagnées dans le jeu. Donc quand vous faites le mode histoire, vous allez gagner plusieurs véhicules. À chaque fois, on va vous demander de faire des courses. Et à fur et à mesure de faire des courses, à la fin, à chaque personnage, ils vont vous mettre une voiture en enjeu. Donc, au niveau de la BMW, vous allez avoir deux personnages principaux. Donc, il y a Lucas et sa sœur qui vont vous donner ce véhicule-là à la fin quand vous allez finir le véhicule. Enfin, que vous allez finir. Après, il y a un véhicule à gagner au niveau des drifts. On a un véhicule à gagner au niveau des tout-terrains. Et on a un véhicule à gagner au niveau de les courses normales. On appelle ça course pilotage, on va dire. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une par une chaque voiture que j'ai gagnée. Donc là, quand vous faites les courses principales de Kira et de son, enfin de Lucas et sa sœur Kira, vous allez gagner cette BMW. C'est l'ancienne BMW du Need for Speed Most Wanted. Et donc, quand vous voyez bien, elle ressemble exactement à celle-là, exactement. Mais c'est vraiment, vraiment, vraiment la même. Et même sur la plaque d'immatriculation, il est marqué dessus que c'est Need for Speed Most Wanted, NFS Most Wanted. Donc, ils ont mis les abréviations. Et franchement, BMW M3, elle est vraiment stylée, mais elle est au niveau 174, donc elle est vraiment pas équipée du tout, mais bon, ça reste une très très belle voiture à gagner. Donc, à savoir, faites attention, vous êtes limité quand même à 8 places dans votre garage, et donc, quand vous gagnez les voitures, moi j'ai dû revendre des voitures à moi, et j'étais un peu dégoûté, mais quand vous gagnez des voitures, vous devez en gagner minimum 4. Donc quand vous faites le calcul, vous avez 8 places dans votre garage. Vous gagnez déjà 4 voitures, il vous reste plus que 4 places. Mais la voiture que vous avez achetée au départ, qu'on vous a offert au départ, vous ne pouvez plus la vendre. Donc ça fait 5 places. Et quand vous avez 8 places, donc il vous reste plus que à peu près 3 places pour pouvoir stocker des véhicules. C'est vraiment dommage que Need for Speed a fait limiter les places de garage comme ça. Il nous montre une palette de voitures énorme et on se retrouve avec 8 voitures dans un garage. Et je trouve que c'est vraiment pas assez du tout. Mais vraiment, vraiment pas assez du tout. Donc là, ce qu'on va faire, on va regarder au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans. Moi, je vais rien acheter, mais ici, on peut regarder comment on peut la monter. Et donc, dedans, on peut mettre jusqu'à combien. On peut mettre un moteur à 591 chevaux. Et on peut la monter à 1120 chevaux exactement avec les accessoires. Par rapport au vibrequin, échappement, calculateur, turbo, nitro, enfin voilà, on peut vraiment, vraiment monter la voiture jusqu'à 1120. De toute façon, je crois que c'est presque toutes les voitures qu'on peut monter à 1120. Donc là, par exemple, si je mets ce moteur-là, je monte déjà de 110 d'un coup, mais c'est que du Pro Plus. Alors que normalement, moi, je suis déjà avec des pièces en élite, pardon. Et encore, il faut encore que je débloque l'ultime. En mettant l'ultime, je vais monter à chaque fois de 52. À chaque fois, je vais monter de 52 à chaque fois que je mets une pièce. Donc là, voilà pour la voiture qui va vous offrir une fois que vous allez gagner la mission principale. Pour moi, c'est la mission principale. C'est celle où il y a vraiment des cinématiques et il y a vraiment l'histoire. Donc, je suis pas du genre à spoiler l'histoire. Donc, si vous voulez vraiment connaître l'histoire, faites-la. Vous verrez qu'elle est vraiment pas mal. Elle est vraiment stylée. Mais arrive un moment, elle va vous demander de toute façon d'augmenter votre voiture à fur et à mesure de l'histoire. Donc vous n'allez pas pouvoir, avec une voiture de base, finir le mode histoire. Il va falloir vraiment évoluer. Donc là, c'est pour cette voiture-là. Donc maintenant, on va aller sur celle-ci. C'est la deuxième voiture que vous pouvez gagner. Donc je vais la poser là-devant. C'est Nissan Skyline. Donc ça, c'est les courses de conduite, entre parenthèses. Et donc c'est c'est le véhicule où vous allez gagner à peu près en faisant quand même 8 à 10 courses si je me trompe pas. Vous allez faire 3 premières courses, il va vous offrir un kit de suspension normal. Vous allez faire 3 courses, il va vous offrir un kit de suspension professionnel, voilà. Et après vous faites à peu près 3 à 5 courses pour pouvoir gagner cette Nissan Skyline. Franchement, elle est stylée, elle est vraiment propre, elle est vraiment très 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 bien faite. C'est une des premières Nissan Skyline avec les phares ronds à l'arrière. Et franchement, elle est vraiment stylée. Elle est bien faite. Les étiquettes sont super bien posées. Voilà. Et donc, si je me trompe pas avec le nom du personnage, c'est Dexter. Après, j'ai pas retenu le nom de tous les personnages, mais il me semble que ce personnage-là, c'était Dexter. Et donc, franchement, alors c'est pareil. Est-ce qu'on peut l'augmenter à combien? Performance. Et donc c'est pareil, ici on va lui mettre un moteur
en 592 chevaux, et celle-là, vous pouvez la monter à 1084. Donc ce véhicule-là a quand même moins de chevaux que la BMW qui était juste avant. Elle est à 1084 chevaux maximum. Donc après, avec vos pièces, et vous pouvez mettre un moteur de 592 chevaux déjà à l'intérieur. Mais avec les pièces que vous rajoutez, vilebrequin et tout, c'est pareil. Si maintenant je prends le vilebrequin et que je le mets en élite, je la monte de 16. Et après, ben, si je fais ça, tac tac, et le dernier, je la monte de 26. Alors que la BMW, je la montais de 52. Donc là, voilà pour cette Nissan Skyline que vous gagnez quand vous faites les courses, en réalité. C'est pas le mode histoire, c'est quand vous faites les missions courses. Et normalement, le personnage, c'est Daxter. C'est un logo rose, en réalité. Oui, c'est ça. C'est sa tête sur un fond rose. Donc là, on va regarder la voiture qu'on peut encore gagner. C'est celle-ci. Donc voilà, la voiture qu'on pourrait gagner, c'est Nissan 350Z Z33 Elite. Donc quand je la démarre, elle fait comme ça, voilà. Et donc cette voiture-là, vous la gagnez quand vous faites les courses de drift. Donc le personnage, je ne me rappelle plus du nom, je sais que c'est un personnage dans un carré bleu avec des cheveux blonds. Et c'est lui qui vous apprend, de toute façon, pour le drift, qui vous explique comment gérer une voiture au drift. Et donc c'est une fois que vous faites... Alors c'est assez rapide, hein, vous n'avez pas énormément de courses à faire. Si je ne me trompe pas... Une dizaine de courses maximum. Pardon. Une dizaine de courses maximum. Et vous pouvez gagner ce véhicule-là. Alors, il est vraiment pas puissant. Par contre, il est vraiment équipé pour le drift. Mais il est pas puissant du tout. Vous voyez qu'il y a des enceintes en arrière. J'avais même pas vu qu'ils avaient mis des enceintes en arrière. Bon, franchement, ça m'embête. C'est vraiment des voitures que j'aurais voulu garder dans mon garage. Mais si ils m'ont pas de place supplémentaire, je vais devoir les revendre. Mais bon, c'est quand même des voitures de trophée Dieu, et dans la logique, c'est pas trop des voitures qu'on voudrait revendre, et c'est des voitures qu'on peut pas regagner. C'est-à-dire que si demain, je veux regagner cette voiture-là, je suis obligé de refaire le jeu complet. Donc ça m'embête. Donc là, au niveau de la performance, on peut le monter à combien? Donc on peut mettre un 646 chevaux dedans, et donc on peut la monter au maximum à 1169. Donc celui-là, on peut le monter à 1169 et ce moteur-là à 1081, 1118. Donc, attendez, 1169. Donc voilà, c'est le plus gros, c'est 1169 chevaux pour ce véhicule-là. Franchement, il y a possibilité d'avoir quelque chose de très puissant. Et en plus, elle est stylée avec les grosses déports à l'arrière, les petits déports à l'avant. Franchement, elle est vraiment stylée. Donc, voilà, il faut faire les courses drift pour pouvoir gagner. Alors, c'est pas les petites missions. Il faut vraiment faire la mission avec le carré bleu. Et à chaque fois, vous revenez dans le garage et vous ressortez. Vous avez une nouvelle mission. Et donc là, le dernier véhicule. Donc, c'est le quatrième véhicule qu'on gagne. Il est ici. Donc là, c'est quand vous faites les courses de tout terrain. Donc, c'est un carré orange avec une femme avec des petites lunettes, des cheveux en dreadlocks. Et donc, vous allez gagner ce véhicule-là. Moi, je l'avais fait avec le BMW X6. Et franchement, il est très, très bien. Il est super beau. Franchement, on voit bien qu'il a été vraiment équipé pour le tout-terrain. Donc là, ce véhicule-là, je ne l'ai vraiment pas amélioré. J'ai rien fait du tout. Je l'ai laissé comme ça. Mais franchement, voilà, quand vous voyez... Il est vraiment puissant avec tous les carreaux fumés comme ça et tout. Donc là, on va regarder au niveau de la performance. Et donc là, sur ce véhicule-là, on va regarder. Alors, on peut monter à beaucoup, hein. 1532 chevaux sur celui-là. Donc ouais, on peut le monter à 1532 chevaux. Donc c'est vraiment énorme, hein. Vous voyez que si je mets les pièces élite, il faut 640 000, ouais, j'ai pas l'argent et je suis pas au niveau 47, mais on peut le monter très très puissant. Donc je pense que même si j'ai des courses 4x4 à faire, je vais mettre celui-là à fond et je rachèterai pas d'autres 4x4. En plus je le trouve stylé, je le trouve très très beau, franchement, et puis bah, c'est vraiment du 4x4 pur là, on est vraiment sur quelque chose de très très lourd. Donc là, on va revenir sur la vitrine. Et après, là, c'est ma petite voiture pour le drift. Celle-là, je ne veux pas la vendre. Et après, celle-là, c'est celle que j'ai au départ qu'on ne peut pas revendre. Donc comme je vous dis, on ne peut pas la revendre. Elle est bloquée, vous voyez, indisponible. Par contre, si je veux vendre la Mercedes, il est marqué « Vendre cette voiture ».
Et donc celle que je préfère, c'est celle-ci. C'est celle qui me fait gagner toutes les courses. Et c'est celle qui me fait... même les poursuites de police, franchement, elle suit, elle tient la route. Donc là, je vais regarder au niveau des moteurs. Qu'est-ce qu'on peut mettre quelque chose d'un peu plus puissant. Donc là, vous voyez que là, on peut le monter à 1204 chevaux. Là, en 1239, pardon. 1239. Et là, je suis à 700 et des brouettes. Donc, il me faut... normalement, voilà. Si j'arrive, j'ai 782 000. Mais le problème, c'est que ça me fait baisser. Donc, ça sert à rien d'acheter pour l'instant le moteur. Il faut attendre que je débloque les pièces au-dessus. Donc, si par exemple, vous voyez ce vérilbrequin-là. Donc là, j'ai mis l'élite. C'est celui-là. Après, j'ai celui-là en plus 5. Et là, ça va me ramener plus 14 à chaque fois. Et donc, c'est ça qu'il va falloir modifier pour pouvoir vraiment monter au-dessus. C'est pareil pour le nitro. Il va mettre plus 2. Donc, il va mettre en nitro 12. Le turbo, il va me faire monter de combien? Hein, il va me faire descendre. Hein. Ah non, voilà, plus 8, plus 9. Voilà. Donc, vous voyez que... faut vraiment jouer avec les pièces et voir pour monter le véhicule au maximum. Donc voilà pour la présentation des véhicules qu'on gagne quand on débloque toutes les missions auxiliaires. Et donc ça veut dire que moi, là, à ce jour, j'ai plus de missions auxiliaires. Je vais essayer de ressortir pour vous montrer. On va prendre cette voiture-là. Et je vais vous montrer que je n'ai plus du tout de mission auxiliaire. J'ai plus du tout. Les seules choses que j'ai maintenant, c'est il faut faire tous les petits panneaux, les flamants roses, récupérer les bombes de peinture et tout. Et j'ai quelques courses encore à faire. Mais c'est des courses de temps, c'est pour faire monter le crew. Et je dois encore monter mon crew niveau 50. Plus mon grade niveau 50. Voilà. Voilà. Donc si vous voyez, il n'y a plus de personnages. Donc j'ai fait toutes les missions personnages du jeu. Là je suis là. Et j'ai vraiment fait toutes les missions personnages. J'ai même dû débloquer pas mal de voitures. On va aller voir. Parce que je sais qu'il y a des voitures qui se débloquent à un certain niveau. Et quand on finissait les courses, donc on rentre dans le concessionnaire. Et on va aller voir la voiture la plus chère. On y va. Ok, on a encore. Et vous voyez qu'il y a énormément de voitures, mais pour 8 places de garage. Donc je trouve ça un peu dommage, vraiment, de faire ça. Vous voyez que là, j'ai débloqué celle-ci. Toutes ces voitures-là n'étaient pas disponibles. Moi, je m'étais arrêté ici, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, j'étais arrêté ici et là. Donc ces voitures-là sont quand même assez puissantes. Parce que là, je suis en 341, 346... 360, donc la Ferrari elle est magnifique. Après on a celle-ci aussi, Aston Martin 314. Là je l'aime moins par contre. Et après celle-là, la Pagani 338. Et après j'ai gagné la McLaren. Ça c'est quand on finit les courses. Ici il faut aller au niveau 50. Après ça il faut déverrouiller tous les vinyles. Là il faut déverrouiller les 3 étoiles dans toutes les zones de drift. Il faut déverrouiller tous les flamants roses. Déverrouiller tous les panneaux. Là, il faut faire les 3 étoiles sur tous les radars. Les 3 étoiles sur tous les sauts. Les 3 étoiles dans toutes les activités. Donc, ça veut dire que là, quand vous gagnez cette Ferrari-là, c'est que vous avez eu les 3 étoiles dans tout. Dans les radars, dans les sauts, dans tout. Et après, là, il faut avoir le crew niveau 50. Attention, cette voiture-là se débloque au crew niveau 50, mais elle est payante. Vous devez la payer 2 millions et des brouettes, si je ne me trompe pas. Donc là, on n'a pas de prix. Mais j'ai vu sur internet qu'il y a un gars qui était quand même un peu dégoûté parce qu'il s'est cassé la tête à monter son crew niveau 50 et pour se retrouver à devoir payer la Lamborghini 2 millions et des brouettes. Mais il y a possibilité de faire une flopée de voitures, mais d'avoir une collection de malades et on nous met un garage avec 8 voitures. Et donc je trouve ça un peu dommage. Même dans GTA, c'était pas comme ça. Dans GTA, vous avez plusieurs maisons et tout. Comme là, il y a plusieurs garages. Est-ce que ça aurait été pas plus simple de pouvoir mettre 8 voitures dans chaque garage? Donc, par exemple, marquer sur un garage 1 sur 8, 2 sur 8, 3 sur 8, au moment où on a une voiture dedans.
Et donc, c'est à dire que si maintenant on achète une voiture, eh ben on demande pour la livrer dans le garage numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et à chaque fois, on peut et remettre la voiture dans le garage qui correspond ou définir une place dans le garage. Enfin, voilà, il y a énormément de garages quand on regarde, mais voilà, c'est un peu embêtant de se retrouver avec 8 voitures pour avoir un palmarès comme ça parce que. J'aime bien la Lamborghini, mais arrive un moment, ben, je vais peut-être devoir la revendre pour acheter une Ferrari ou quelque chose comme ça. Et donc, ça m'embête, franchement, ça m'embête. Alors que quand vous regardez au niveau des garages, on en a combien des garages, des lieux ? On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je crois. 10, 11, 12. Si je me trompe, on en a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12. On a 12 garages. À peu près. 12 garages. Donc, 12 x 8, ça aurait été pas mal. Même si on reste sur la base de 8, on aurait eu 12 x 8, c'était pas mal. On aurait pu faire vraiment un palmarès de collection de voitures. Mais là, franchement, Need for Speed, ils n'ont pas trop assuré là-dessus. Donc, voilà. Là, on va revenir au niveau du garage que je voulais rentrer. Et donc, c'était vraiment pour vous présenter les voitures que vous allez gagner dans le jeu au moment où vous allez finir ces missions. Et donc là, on attend de retourner dans le garage. Ici, oups, voilà, le petit chargement, il va très très vite. C'est quand vous sortez du garage que c'est un peu long. Mais quand vous êtes dans le garage, ça va très très vite. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager, petit pouce bleu. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que les voitures elles sont bien. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez le jeu. Est-ce que ça vous embête aussi que vous n'avez pas assez de place dans votre garage? Moi, j'ai vu beaucoup de gens qui se plaignent. Mais voilà, moi, j'ai pas le poids pour pouvoir contacter Need for Speed en leur disant, faites un peu de place dans les garages pour pouvoir avoir des véhicules. Mais voilà, si maintenant dans le jeu, il y aurait eu 20-30 voitures, j'aurais dit, bon, 20 voitures, on en prend 8... Ça pourrait passer, mais quand on voit le nombre de voitures qu'il y a acheté et le nombre de places qu'on a dans les garages, non, enfin, je trouve que c'est un peu limite, on va dire. Donc voilà, donc j'espère qu'ils vont modifier ça. J'espère que des youtubeurs qui sont plus costauds que moi, parce que je m'attends pas à devenir un youtubeur professionnel, loin de là, mais des youtubeurs qui ont du poids sur le jeu et qui puissent expliquer à Need for Speed de faire quelque chose pour ces places-là. Donc voilà, ciao, ciao, c'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche, mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.